Je suis en compagnie de Jean Morin, de Fabrication Jean Morin. Jean, il y a peut-être quelque chose qui se dessine là, pour l'appât naturel pour avril prochain. Donc, il y a des pêcheurs qui vont être déçus. Il y en a d'autres qui vont pouvoir utiliser la dandinette. Parle-nous de l'éolienne qui va être peut-être quelque chose d'intéressant pour l'appât mort. C'est un beau modèle pour travailler en lac, à l'appât mort, ou soit au doré, au salmonidé, au brochet, peu importe. Il travaille avec le vent. Ça dandine tranquillement. Un pouce et demi de dandinement, c'est juste le mouvement que ça prend pour l'hiver, vu que le poisson il est plus ralenti l'hiver. Mm-hmm. Le poisson, il va attaquer. On ça déclenche, puis il s'en va. Mais pas besoin de courir, tout s'en va tout seul. Mais vous avez le temps suffisamment de vous rendre. Puis... Jean fabrique plusieurs modèles de cannes ou de brimbales. Tu as un site Internet, Jean? Oui, fabrication-jeanmorin.com. Toutes les informations sont là et... Donc, pour les gens tout pour tous les pêcheurs. Exactement. Donc, les gens qui voudront continuer à utiliser la brimbale traditionnelle, bien, Fabrication Jean Morin.